Décidément, la caille a le vent en poupe et aujourd'hui, c'est le chef Sylvain Guillemot qui nous propose une création autour de cette volaille délicate, accompagnée dans sa recette d'un savoureux beurre d'oseille et d'une garniture de légumes de saison. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration, elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve. Mais pour le moment, place à la démonstration. On est parti ? Allez, allez, c'est parti. Alors naturellement, on va démarrer par la caille, parce que c'est quand même l'élément qui va demander en cuisson un peu de temps. On n'oublie pas d'ôter les six coups, ça va être plus agréable à la dégustation. Sylvie, la caille, vous maîtrisez ? Du tout. Pareil. Ça rassure. Pareil. Ça va, pareil. Ouh là là. Jamais fait. Alors vous enlevez les petits abatis, qui sont, vous savez, toutes ces... On les met souvent sur le dos. Ça, c'est une technique de cuisiniers qui ont pris l'habitude de présenter les volailles entières. Et donc, on récupère le cou. Vous ôtez naturellement cette partie inintéressante dans laquelle il y a le jabot. Voilà, vous savez, qu'il faut retirer absolument. Derrière, on n'oublie pas le bréchet. Les bouchers ne pensent pas toujours à l'enlever. C'est ce qui nous pose problème à la découpe parce que naturellement, ça nous empêche, ou du moins, ça nous permet pas d'atteindre correctement le filet complet. On va ôter les cuisses. Ça nous fera gagner un petit peu de temps en cuisson, n'oublions pas le solilès, qui est niché ici, là, cette petite partie-là. Voilà, un petit coup, comme ceci. Ah. Le chef réitère l'opération sur la deuxième cuisse avant de procéder au désossage. On va prendre comme ceci notre mélisse ou citronnelle. On va en mettre deux feuilles à l'intérieur. Un petit peu de sel fin, juste pour l'assaisonnement. Tour de moulin. On va brider nos deux cuisses. Brider, c'est-à-dire ficeler les cuisses de caille, ici avec les feuilles de mélisse. Voilà, on va en mettre aussi à l'intérieur de notre caille. Voilà. Et nouvelle séance de ligotage pour notre délicat volatile. On démarre notre cuisson. Au beurre, je vous aurais bien dit huile d'olive, mais non. La caille bretonne ne supporte pas l'huile d'olive. Cuire au beurre, ça veut dire je fais attention à ma température. Ma température ne doit pas excéder les 120-125 degrés. Au-delà, je vais commencer à brûler. Et avant, j'ai un beurre qui est juste mousseux et ma viande ne va plus colorer. Donc il y a pour moi un rapport très intéressant, mais identique à la pâtisserie. Donc là, j'épluche mon chou rave qu'on épluche, non pas à l'économe, mais bien au couteau pour enlever cette peau épaisse. Qu'on a sur les navets, qu'on a sur tous ces produits. Voilà. Sylvain Guillemot détaille ensuite son chou rave en quartier, puis direction la casserole. Mouillés à hauteur de cidre et assaisonnés d'une pincée de sel, ils vont cuire à couvert. Et comme en cuisine, rien ne se perd, le chef fait cuire avec sa caille les abatis, cou et ailerons du volatile, avant d'enchaîner sur la suite. Notre beurre d'oseille, car il y a un beurre d'oseille. Pilon. Hop là, on ôte les nervures. Pour l'instant, vous suivez, c'est pas très compliqué. Ça va. On est d'accord. C'est la caille qui est inquiétante. C'est la caille, oui. C'est vrai ? Ah oui, c'est la cuisson de la caille. On cisèle très finement notre oseille. Donc entre chaque étape comme ça de travail, vous allez devoir faire attention à la cuisson de votre caille, y revenir régulièrement. Ouais. On va baisser un peu les choux. Parce que forcément, ça va être important. Et j'aime bien cette idée là aussi de cuisson cocotte. Mmh. Voilà, c'est
ça sent divinement bon. Hein. Oh, oui. Il y a le cidre aussi qui vient se mêler à tout ça. Oui, de côté. On pile pour faire une pâte, en fait, hein. Pâte d'oseille. Voilà. On va ajouter du beurre. Donc, toujours du beurre doux ? Non, c'est du beurre salé. C'est du beurre salé, je vous le confirme. C'est toujours du beurre salé en Bretagne. Voilà. Et donc, on amalgame le beurre très simplement à cette oseille. C'est vraiment ce jus qui ressort. Oui, ouais. Voilà. Puis, le chef récupère une plaque préalablement réfrigérée et filmée sur laquelle le beurre est étalé avant d'être réservé au frais. Retour à la garniture de légumes. Voilà. Là, je commence à avoir un peu moins de jus dans mes choux. On va arriver gentiment alors vers une légère coloration du chou. Allez, superbe. À tourner comme ceci. Et là, on commence à attaquer la partie véritablement. Et on va pouvoir même le découvrir. Il ne nous reste pas tant de temps que cela, si on veut rester dans le tempo. Donc, j'ai épluché mon navet. Je l'ai taillé comme ceci. Je taille mes oignons comme ceci en 8. Là, dans la mesure où on a besoin, je vais continuer naturellement à avancer avec cette magnifique plaquette de beurre. Le but, hein, c'est qu'il n'en reste plus du tout. Ah, carrément. Soyons généreux. Voilà. Et on va y mettre nos légumes rangés au fond, comme ça, tout doucement. Ah, attends. Pas trop chaud ? Pas trop chaud, on va monter là aussi progressivement en température. Et on couvre d'emblée. Tout à froid comme ça, voilà. Et on monte, et on monte tout doucement en température. L'intérêt aussi, ça va être récupérer les sucs. D'accord. N'hésitez pas, la partie ici vous donne beaucoup de réponses et d'indications, oui, sur la cuisson. On est sur la partie la plus épaisse, hein, je reviens toujours à la même chose, de notre filet, vous voyez. Et donc de toucher ici, d'accord, ou la fermeté de la volaille. C'est aussi pour ça que je ne suis pas un cuisinier qui utilise beaucoup le four. Parce que dès lors où on met dans le four, pour moi, il y a un vrai souci de vérifier cela. On va retourner comme ceci. Comme une pomme. Voilà, comme une pomme. Et d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant tout à l'heure, c'est ce goût-là. Ce côté... Tu en occupes ? Je veux bien. Ce côté presque raisin, ça va presque être le raisin du printemps. Voilà. On laisse encore un petit peu en cuisson ? Oui, on va laisser en cuisson un peu. Là, il n'y a plus de liquide. Il n'y a plus de liquide ? On va peut-être mettre du beurre à ce moment-là. Quand il n'y a plus de liquide, on met du beurre. Ah, ils ont encore de la fermeté. Voilà. Et on va les laisser comme ça tranquillement. Et tranquillement, Sylvain Guillemot retourne sur sa mandoline pour achever la découpe de ses lamelles de carottes, avant de revenir sur le beurre d'oseille qui s'est solidifié au froid. Nous revenons sur notre beurre. On va tailler des triangles qui vont venir en fait se poser très clairement sur nos filets. Et après cette escale, retour au frais pour le beurre. Il est temps de revérifier la cuisson de la caille. Eh ben, on est pas mal. Vous les touchez peut-être pour avoir une indication de cuisson ? Ah oui, d'accord. Et un peu ? Mmh. Oui. Voilà. D'accord. Et là, je serais même d'avis. Je prends une assiette. Voilà. Et je mets ma volaille en repos. Comme ceci. On va mettre... Un peu de beurre ? Un tout petit peu d'eau. Un peu de beurre. Un tout petit peu d'eau. Voilà. Ça va nous faire le jus. On éteint pour ça. Il nous reste... Oups là ! On sort que la caille, on ne sort pas les cuisses. On ne sort pas les cuisses. D'accord. On les laisse dans ce jus qui va véritablement leur donner la finalité de cuisson. Et voilà. Comme ceci. Quelques carottes.
nos petits pois. Là, c'est tout feu éteint, là. Tout feu éteint. Tout feu éteint. On va démarrer notre dressage. OK. Notre caille, magnifique. Nos cuisses et le chou. Alors, les cuisses, on va ôter tout de suite. Vous voyez ce petit jus? Très simple, hein? Oui. Et après le bridage, le débridage. Nos flancs. On ôte là aussi. Vous voulez venir voir les cuissons? Ah oui. Encore légèrement rosé. Voilà, vous voyez, oui. C'est important pour moi d'avoir cette espèce de cuisson toute douce. On va la reposer ici. Tout se joue au toucher, hein. Un peu de résistance. Oui, véritablement, c'est important. On aurait pu la laisser un peu plus reposer. Mais dans la mesure où vous la gardez chaude pour le dressage, ça y est, on est parti. Il a bien refroidi quand même. Hop là. Ah, je laisse là. Hop là. Hop. Attention, chère candidate, le film plastique ne fait pas partie de la recette. La fleur de sel. Les triangles au congélateur. Oui, vous pouvez les mettre, oui, quelques instants. Un peu de poivre. Nos légumes. Vous avez vu le chef comme il prend soin de son plan de travail? Oui, mais... Pas souvent, hein. On a un joli endroit, faut profiter. Voilà. On va mettre nos petites carottes. J'ai oublié la fleur. Ah ah. Voilà, c'est travailler le végétal comme ça, véritablement. Nos cuisses. Un peu de travail, les filles. Hein? Oh là là, très inquiète. Et là. Alors, j'ai pas mis mes petits pois crus, hein, comme je vous ai dit, on est vraiment dans cette... Et donc le beurre qui a récupéré à l'intérieur, c'est vraiment précieux. Espèce de méli-mélo de printemps. Quel artiste. Alors mon état d'esprit, dès que la démo est terminée, ça va être chaud. Ça va être chaud, beaucoup de choses à faire. Puis surtout cette caille, quoi. Peur de ne pas réussir la cuisson, peur... voilà. Je suis un petit peu stressée vu l'ampleur du travail. C'est ma 7e participation, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je vais tout donner, je vais essayer d'aller vite, de faire bien. Et voilà, j'espère que ça ira.